avec le tournoi en fait. Notre papa est dans l'organisation, il fait partie des LCDA à la base. Et donc elle est née l'année du premier tournoi, elle avait un mois quand elle est arrivée au bord du terrain. Et donc moi 3 ans, et depuis ce jour-là on a toujours été chaque année sur les bords du terrain. Rendez-vous. Le fait que tous les terrains soient collés en fait, qu'il y ait tout le public qui circule avec peu d'espace, du coup, fait que ça va créer une bonne ambiance. C'est sympa et ça va être pas mal aussi demain au grand stade avec les phases finales. Puis au rugby, l'ambiance est toujours faite. Le public a l'air content, il y a beaucoup de monde, mais ça je pense que tu as fait des images et ça se voit. Tout le monde est au taquet depuis hier, à savoir que hier on était sur un stade, aujourd'hui on est sur le stade à côté, que ce matin on a déménagé tout un ensemble de choses pour pouvoir continuer à faire la nourriture, pour pouvoir avoir la buvette, c'est un très bel essai qui vient de se passer là, pour pouvoir continuer à faire la buvette. Et que ce soir ou demain matin, on va refaire la même chose pour regagner l'autre stade. Ça se passe bien pour l'instant le début du tournoi ? C'est un petit peu dur, on a une équipe qui est quand même assez jeune en termes d'expérience, mais ça nous fait du bien parce qu'on prépare les finales à Albi sur le circuit élite et jouer contre des équipes telles que les Américains ou les Australiens, c'est quand même une chance pour des jeunes joueurs comme nous. C'est quoi la grosse différence entre le 15 et le 7 pour ceux qui ne connaisseraient pas ? La grosse différence déjà c'est qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et ça nous permet en tout cas, surtout pour les trois quarts, pour les joueurs qui aiment les espaces et le jeu d'évitement, de pouvoir plus s'exprimer. Il y a beaucoup d'équipes réserves qui viennent ici, ou même des équipes de seconde phase, un peu comme le Maroc, qui viennent ici pour s'entraîner avant les grandes phases de compétition internationale. Donc c'est important pour eux, pour les joueurs français aussi, c'est super important, parce que ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet aussi de voir un peu le niveau, à quel point ils progressent. Notamment, il accueillir jeudi dernier à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Il est ramené à Paris, faire le check-in à l'hôtel et puis les guider un petit peu dans la ville pour qu'ils commencent à découvrir Paris, qu'ils commencent à se faire l'ambiance de la France. Parce qu'ils étaient 3 jours à Paris avec l'équipe Blacks, qui était au Paris 7, avant de venir au Worthington toute la semaine à Tours. Et donc ça, en bénévolat, entre autres, de tout ce qu'on fait pour le tournoi, toute l'énergie qu'on donne. Oui, on est tous crevés, mais on est content d'être fatigués parce que ça s'est bien passé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est là, parce qu'il fait beau. Parce que la France est en train de gagner derrière, parce que la Nouvelle-Zélande était là, voilà, il y avait la... C'est en hommage à Worthington, un joueur qui a joué à Tours, qui est reparti en Nouvelle-Zélande, et donc pour la 20e édition, c'était un honneur et un plaisir d'avoir la Nouvelle-Zélande avec nous, d'avoir des grandes équipes comme les États-Unis, l'Allemagne qui est en finale contre la France encore une fois, et les Tribes qui sont venus d'Australie aussi. Voilà, il y avait beaucoup d'équipes, et puis les équipes qui sont là d'habitude, les Free Sevens, les Froggies, les Bleus, les 7 Salopards... Beaucoup d'amateurs de prunes, bonne ambiance. Et Hernadette hier soir, c'était chouette aussi. Je pense qu'il y en a qui se sont réveillés ce matin un peu fatigués suite à la partie. Mais c'était cool. C'était un chouette week-end. On a vu des très beaux mollets là en arrivant. Alors, on est amis avec une rugbyman, une rugby girl qui s'appelle Isabelle Iturburu. Salut Isabelle, donc on est obligé de parler en bien du rugby. Mais on ne pratique pas et ça se voit physiquement. Par contre, on adore la mentalité du sport. Non mais en fait on est un peu les rugbymen de l'extrême avec Hernadette. C'est-à-dire qu'à tout moment, déjà on fait toujours tout par comme les passes par derrière.
C'est notre spécialité. Et puis on aime bien les essais. On aime bien essayer des trucs en fait. C'est ça qui nous rapproche avec le rugby. C'est beau, c'est beau. Non mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir et on va essayer de vous faire guincher. Hein, vous qui êtes dans le public ou sur le terrain. Ce qui est marrant, on m'a dit tiens, un truc de rugby à 7, on se retrouve à Tours. C'est un petit peu loin, je suis un peu surpris. Qu'on est satisfait, on a eu un petit souci avec la météo en fin de journée, mais bon, c'est plutôt un bon résultat. Je crois que le public était satisfait, était venu à un nombre suffisamment important aujourd'hui par rapport aux conditions climatiques, donc je trouve ça plutôt très sympa. Donc voilà, c'est une 20e édition qui mérite d'être notée dans les annales. Je crois que depuis vendredi soir, là, ceux qui ne connaissaient pas trop le rugby à 7 ont découvert que le rugby à 7 c'était plutôt fantastique. On a eu des super matchs. Donc voilà, moi je suis super content que les équipes aient pu venir et aient pu faire plaisir au public. Et j'espère qu'on pourra continuer dans cette voie-là.